An sera Asimi Goyita min tun y'a ɲini ko a bɛ dankari a la ni muru ye o ka fatuli. Yani an ka don o kɔnɔ lɛfɛbukaw ye message ci n ma kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɛ an ka sigida la. U ko Isa Sidibe maire a ye 30,000 bɔ a kun ka fara a ye kɛwale min kɛ k'o di Ze Amadu Sangare n'o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ quartier kɔnɔ. O fana taara ni malo bɔrɔ kile ka t'o di dɛmɛ. A ma dan o ma. A kɛrɛla denmisɛnninw kɛrɛfɛ. Barikadu wulili tout. An bɛ nin de makɔnɔ an ka sigida ɲɛmɔgɔw la. Ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Ala ka cam dayɔrɔ sumaya. Ala ka avokaw Musa Mara ye avoka min di ani denbaya yɛrɛ avoka min. CDR fana groupe WhatsApp bɛɛ tɔgɔ la. CDR international tɔgɔ la. CDR national tɔgɔ la. Anw yɛrɛ fana ye huissier ta ka d'u ma. U mago mana jɔ huissier fɛn fɛn ka baara la o honoraire ka avokaw dɛmɛ anw b'an jɔ ni o ye. Ala k'a ko a wolo hɛrɛ la. Ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ani pulusu Ala k'an cɛ sinsin. An gulonnen bɛ ɲɔgɔn na an ka lakana bolo de bolo Ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na. Seliba don mun donna ni muru ye misiriba kɔnɔ k'a bɛ dankari Asimi na. Kibaruya bɔra dimashi don an bɛna Ismaïl Bamako daminɛ kuma min na ko communiqué kalanna gouvernement ka télévision na ko a ye a fatura. A kɛra sababu ye k'a to ɲiningali caman maw ye o kɛ u yɛrɛ la. Ɲiningali minnu hali bi n'a jaabi bɛ ka makɔnɔ. An bɛna daminɛ ni élément fɔlɔ min ye bɛɛ ka suwi. A tɛ mɛn kumaw de bɛ taa. RFI Mandenka an b'a daminɛ ni olu ye mun fɔ an k'o lamɛn. Cɛ murutigi min tun ye a ɲini ka bi Mali donnatɛmɛ fanga ɲɛma Asimi Goyita kan a ka saya kunnafoni dilen kɔ kɔni nin waati na ɲiningaliw jɔlen don a ka saya sababu jɔnjɔn kan o waati kelen fana na adamadenw ka hakɛ labato tɔn kɔni olu fana bɛ ka kankari madaw kɔni kɛ ka ɲɛsin jamana in kɔni marabaw yɔrɔ an ka jɛ k'an ka lasigiden Andre Tarawele ka ɲɛfɔliw lamɛn ka bɔ Bamako. Ni cɛ murutigi min kun b'a fɛ ka bi Colonel Asimi Goyita kan seliba don Bamako misiriba la a sayako kuma fɔlen o nana dɔ fara nin ko kunnasiri kow kan. Sabula k'a daminɛ a minɛdon na fɔ kana se bi ma jamana marabagaw ma sɔn ka kunnafoniya di kɛ ka ɲɛsin ma kofɔlen bugunnatigɛ ma. Wa ka kɛɲɛ ni adamadenw ka hakɛw lafasali tɔn bɛ wele ko IMDH o ɲɛmɔgɔba Maître Mokhtar Mariko ka ɲɛfɔliw ye kunnasiri ko wɛrɛw bɛ nin ko la halisa. On tɛ se ka girin ka maasi accuse sisan komi commune 2 procureur o de tun ko k'a ye enquête dayɛlɛ. A ye enquête dayɛlɛ u ko fana tuguni tele la bɛɛ y'a mɛn k'u bena otopsi kɛ. Ayiwa an be otopsi makɔnɔ. Ni otopsi y'a yira k'a fɔ ko bɔgɔlida don jogilidaw de y'a to a sara kuma min b'an bolo ka fɔ an josaratigiw ye an b'o fɛnɛ fɔ. Mɛn an be yɔrɔ min na ko bi a ka gɛlɛn an ka se k'an da don o koo la k'a fɔ a gosira de a tɔrɔcirira de nin de kɛra a la. Donk o kunnasirinin be anw yɛrɛ la fɔlɔ. Walisa nin ko kana kɛ sababu ye ka gɛlɛya wɛrɛ lawuli Mali jamana kɔnɔ Maître Mokhtar Mariko b'a ɲini Mali jamana marabagaw fɛ u ka nin sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ jɛlenya la dibi dibi kana bɔ a la. A ka jɛya a ka faamu kow taara sira min fɛ bɛɛ ka se k'a faamu k'a fɔ nin kɛra nin togo de la. Dibi dibi ni ko man ɲi nin ko in na an b'a fɛ ko nun ka da kɛnɛ kan de k'a dɔn min kɛra. Ni min man ɲi o be fɔ o parseke an b'a fɛ ka jamana jɔ de. An tɛ se k'a ɲɛ tugun jamana ka fɛn tiɲɛniw kan o tɛ kɛ o. An b'a fɛ de transition in ka taa ɲɛfɛ mais a bɛ taa ɲɛfɛ ni tiɲɛ de ani jɛlenya ye. Hali k'a sɔrɔ Mali jamana marabagaw ka kunnafoniw la yanni maa kofɔlen ka sa a ye kunnafoniya caman di minnu bɛ kɛ sababu ye ni sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ sen na olu bɛ se ka taa ɲɛ. Maître Mokhtar Mariko kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko a ka saya bɛna kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba don baaraw taali la ɲɛfɛ. André Traoré Bamako RFI. Mali. Nin ye kibaruya min ye kuma a daga o sigi. Maître Mariko an fa don avocat don IMDH o ɲɛmɔgɔ don a ko ko in a ka jɛya n'o tɛ siga bɛ mɔgɔw la. Joliba FM Joliba TV u ye débat ba kɛ o don na par deux grands journalistes accompagnés de ce même avocat Maître Mariko un débat de niveau très élevé instructif de passage ka journaliste fo ka Joliba FM bɛɛ fo e kɛrɛnkɛrɛnyala Serge Daniel Shana Takiu e Maître Mariko k'u fo
pour leur éclairage. Je lui ai fait mieux micro la boîte à Malion Nininga. Mouruti Inka Sali, Ouluakil Nakara Mounye. Écoutons le micro-trottoir réalisé par la télévision Djoliba FM Angoulême. Les Maliens sont prononcés sur le sujet et c'était Harouna Touré a fait le tour de la ville. Personne n'a pu identifier l'agresseur. Je pense qu'avec ce seul point, il y a Anguille Souroche. Il se peut que les instigateurs du coup l'ont supprimé. Nous savions qu'il était sous l'effet des substances psychotropes au moment de l'acte, mais pas une maladie particulière qui pouvait être la cause de son décès. Ce n'est pas clair. Personnellement, je soupçonne l'entourage du président lui-même. Alors, il est inexplicable aujourd'hui qu'on nous dise que l'agresseur a été décédé à une semaine peut-être de l'action. C'est inexplicable. Moi, je le situe à ce niveau. Soit le service de renseignement est défaillant, soit c'est un complot folklorique, je ne sais pas, au sommet de l'État, pour essayer de victimiser le président. La mort de l'agresseur n'est pas une mort naturelle, quoi. Bon, si le gouvernement peut prendre une initiative de bien vouloir voir ça au plus clair, quoi, de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est très important. Je pense que les autorités trompent l'opinion. Il se peut qu'il n'est même pas mort, ou ils l'ont caché. Je soupçonne nos autorités. Ils ne sont pas clairs dans ce qu'ils font. Non, l'acteur principal est mort, mais l'enquête n'est pas morte. Parce qu'il a eu à faire des révélations. Il a eu à se confesser. L'agresseur ne doit pas décéder. Parce que je pense que la personne qui était partie agresser le président n'est pas l'acteur principal de la chose. Il y a des gens qui sont derrière. Donc il fallait qu'ils parlent pour nous expliquer réellement ce qui s'est passé. Voilà. Cette enquête est finie. Celui qui pouvait parler est mort. On ne connaîtra plus l'épilogue. Bien sûr, ça pourrait être compromis parce que ils n'ont pas encore soutiré des informations qu'ils voulaient. Donc, je pense que vraiment, ils vont mettre ça au plus clair, quoi, pour que la population puisse comprendre ce qui s'est passé, quoi. Oui, le micro tout toi. Niye mugo demadoye mugo demado mununu nyingara, Djoliba TV mugo fe, uka nyingali da, uka mawulele unkloka, uku haklina diaka. Fole ayoro la ser dane ere koko, ni atunte Djoliba FM ka klineya doa tumba fokutara mawunyini munu te fanga fe. Konga ko ale ere bara gardien be tubli kala be kulu ere be kwale ma ko patro ko ni ngo enji ale nte so ma donc ko sabi ko ni opinion be ka kala de mo folo mi ngara ko 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 in ko ale ere ma fo fo ko mo shite munye chenye da ere ere ko mo shite za bigya nye da ere ere donc après do fono ko kale bulo munu ye chenye bla ko la kulu de afra oh donc ko ale ere sikale me present ere krefe mo la ku jale nte ni ngo ina kelengo ko apsega famu chugo di ko muru ko inkele hala ma dogo kelen soro ko tiki sara ko c'est inexplicable à une semaine l'agresseur soit décédé kale sigalembe service de renseignement era de là ka foko lu jelente ni kula ko walma ni kula benendro ko mi chatri boy ka ashimge maye mami na hinebe mugo mine wala sa jamaka kafe akuka ja jamaye folklorique pour victimiser ashim afin de rehausser son image. Donc dokoko ni ko nyere ko ni bela ko nyemgo ko sigala ko dana mo te ko iso te mo dalentula oh dokoko ni angeti ni ako banene ko che sarawa bana film bala ko nya bane doko no ko che sarako nga yana ka sak ni pmachama fo donc ko mworo be munu tumen ko ina ko ulube nyini kamne donc laban ko ko alere ko be munyini ale boloni ko njelente kab no asro ye kibero asro bamaka tobulo yanaka fatu ukibaro uka boka sika la jaka mauha kila siki suno ko mugo majani ngoina ni enquête minkera jmana don fe e Djoliba FM fe oh ni kele kuma dira
Shana Takiu, ani Serge, ani Maître Mariko, ulu saba min tume maka ukilenga maliyo na me. Oh, est-ce que Shana erefuna, sigabe ale lawa, anga Shana lame? Première question, Shana Takiu, nous avons suivi tous hier le communiqué du gouvernement et par rapport au décès du principal supposé suspect de l'agression du président de la transition du colonel Assimi Goïta. Quelle réaction? C'est troublant. C'est vraiment troublant parce que on avait appris dans un premier temps qu'il était drogué, qu'il dormait. Donc le procureur aussi a annoncé que l'enquête est ouverte. Le suspect est entre les mains des militaires. On se pose énormément de questions. Énormément de questions. Est-ce qu'il n'a pas succombé suite à la torture? Est-ce qu'on ne l'a pas mis ce qu'on appelle le courant? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il n'a pas été frappé? Est-ce qu'il n'a pas dit des choses qui compromettent certains membres de la hiérarchie? Je n'en sais rien, mais c'est vraiment troublant. C'est okay. Vraiment troublant et le communiqué ne suffit pas pour convaincre. Okay. De sa mort naturelle, okay. Bien sûr. Le communiqué ne suffit pas. Shana ko akoyin abe ajelente akoyin adunendo abrisa nyagaminendo kadam lan tunya meko akumfale medrogula anglara ga meka be snogola snogo minte ba ateka wule ga bos nogola o ko anglara ga me procureur ko kay sekeli dale ko biama ere nyininga wal mauma agushi de katorowa est-ce que ma courant de blalawa. Est-ce qu'à ma fin de faux femme, il mène à Djemona et sur la signe de Tourouwa? Quoi, en tout cas, c'est un gonia djelente, maou sigalendo à Kouin, à Brissi Brassalendo. Oh, un sœur Daniel Lamé. Pour convaincre sœur Daniel, hein, qu'est-ce que vous pensez d'abord? Bon, moi, je veux les faits. Si vous avez le communiqué, c'est oui. Très important. Oui. Dans le communiqué, le gouvernement dit quelque part, malheureusement, c'est très important, je ne sais pas si vous avez cette partie. Oui. Ça permet d'avancer sur le débat. Oui, oui. Vous voyez, quelque part, on dit... Malheureusement, pas le tout, mais okay. la partie où... Mm-hmm. Dit, ça me semble important, par rapport à ce que je veux dire. Je l'ai communiqué, mais bon, moi, je l'ai donné au téléphone, c'est fermé. Oui. J'essaye bon, bref. De voir. Oui. Alors, quand on dit malheureusement, c'est un adverbe. Mm-hmm. Hein. Ensuite, quand on dit malheureusement, c'est un malheur... Mais c'est un accident fâcheux. Donc il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est une mort naturelle? On peut en douter puisqu'on parle de malheureusement. Ça peut être un accident, c'est un accident fâcheux, c'est pas ça peut être, parce que la définition du, c'est oui, cela. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous relancer, oui. Admis au CHU Gabriel Touré, oui. Puis au CHU Dupongé, il est malheureusement décédé. C'est important, c'est un adverbe, malheureusement, ça c'est un. Mais la définition, c'est un accident fâcheux. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que cela veut dire que ce n'est pas une mort naturelle? Certains peuvent le penser. Donc on a demandé une autopsie, c'est très important également, mais il s'est passé quelque chose. Donc on a le droit de se poser 1000 questions. Okay. Voilà. On va y revenir. Voilà. On l'avait dit ici qu'il serait un drogué, mais on l'avait vu, il était quand même bien portant, mais du coup on dit que sa santé s'est dégradée. Est-ce qu'il y a déjà des doutes à ce niveau aussi? Il peut y avoir des doutes, parce que de toutes les manières, vous savez, d'abord, quand il y a mort, il faut un corps, il faut qu'on voit le corps. Et je le disais tout à l'heure, c'est capital, moi le mot malheureusement, ça m'interpelle dans le communiqué officiel. Parce qu'encore une fois, malheureusement, ça veut dire qu'il y a eu un accident, pas un incident. C'est un adverbe et ça veut dire qu'il y a eu un accident fâcheux. Ça peut signifier le regret, Serge. Ceux qui écrivent les communiqués, ce sont des gens qui parlent français, qui savent ce qu'ils disent. Chaque mot compte. Ah oui, ils ont pesé les mots. Et donc, si vous voulez dire regret, nous regrettons que la mort. Ils peuvent dire ça. Ils ont dit malheureusement. C'est le regret. Donc, il faut être extrêmement prudent. Bref. Pour revenir à l'affaire, vous avez parlé tout à l'heure du procureur et ça me semble important. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que le procureur du tribunal 2 de Bamako qui a fait le fameux communiqué, est-ce qu'il a reçu, est-ce qu'il a rencontré, est-ce qu'il a vu... Mais le communiqué est signé le gouvernement. Oui, c'est ce que je veux dire, mais je parle du communiqué. Le procureur, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a interrogé
Alassane Touré, j'avais le même nom, hein, que est-ce qu'il a vu le monsieur avant son décès? Ça, c'est important. Oui. S'il n'a pas vu avant son décès, c'est extrajudiciaire. S'il l'a vu et qu'il ne donne jamais, parce que le procureur n'a jamais donné de nom, d'identité. Il devrait parler, d'après ce que j'ai appris, il devrait parler aujourd'hui ou demain. Mais il y a quand même un flou autour de cette affaire. Okay. Bah, surtout que dans le même communiqué, il est dit clairement que bon, il est mort. Donc lui, l'action est éteinte puisque lui, il est mort. Mais on poursuit l'enquête en disant que, attention, ce n'est pas un fait isolé, comme s'il y a d'autres coupables ou bien d'autres complices dans l'affaire de l'agression du président à la transition. Donc c'est quand même, on a besoin d'explications. Okay. Moi, pour terminer, j'étais au courant de la mort dimanche matin. Si je suis au courant de la mort dimanche matin, ça veut dire que d'autres étaient au courant bien avant. Est-ce qu'il n'est pas décédé la veille? Pourquoi on a attendu le lendemain? Ce sont des questions en tant que journaliste qu'on a le droit de se poser aujourd'hui. Donc je pense que votre job aussi, c'est d'appeler le gouvernement pour demander ce qui s'est passé. Okay. Omar... Cher Daniel Ko, Siga, Abe Alela, Kalebe, au Siga Mimbe Alela, au Bora communiqué avec Konok Madela. Au communiqué avec le gouvernement fait, à Yoro de Bé, au Bafa Konot Wakana, comme malheureusement, au Yoroi, je ne sais que mes coups de Nini, avec troisième paragraphe là. Admis au CHU Gabriel Touré puis au CHU du Point G, il est malheureusement décédé. Quand Talé Point G, au coffre à Talé, Gabriel Touré au coffre à Talé Point G, malheureusement, Tara Moufou Ponanga Choum, Kassara. Serge, malheureusement, toi, Bougana, à quoi adverboulou, Kakouré, Kokoro Tiena Iboloko, Tchadjoudo Tiena Iboloko, c'est un accident fâché. Et tu m'as fait comme Mounke, à Tara Woulokouro là. Donc, quoi, j'en ai pas foi. Quoi, est-ce que vous avez fait qu'à Foko, c'est ou va regretter de voir? Il comme à la Nordoua. À quoi, j'en ai maquillé, j'aurais, mon nom n'y a pas de toi ou quand même. Oui, ma quand c'est clou, clinglent, ou bas cordon, ou à blanc, comina ou badon. Ni ou est cassé, comme malheureusement, cordé, quoi, accident de Kera. Accident de à la taille de. Il y a un police qui a été en train de se faire. Accident malheureux, fâché au coro, quand tu as été en train de se faire, il y a un accident. Il y a un coro qui a été en train de se faire. Serge, tu as été en train de oh, comme on est kera. Allez, bah, bisiki, vous pouvez être trop grand. Ou est moussebe, ou corodini. Oh, comme autopsie, bien à ke, amena bois à kalama. A quoi ni sa, qu'on gara, ou quoi, ou soube, ou ni soube, soube, sega, à Sara Kumina. A quoi mouille procureur taille. Qu'on procureur communique. Qu'on gamrobe mouanininga. Quand le procureur communique le dos, c'est le bas du sujet. Est-ce que procureur a ni tienne ni rien wa? Aya ni n'inga wa? Aya bismillah wa? Quoi parce que communiqué m'informera qu'à Fagara, procureur m'a signé le gouvernement de m'a signé. Procureur qu'on est séga les nyongeli, ayo qui m'aura signé, la check à saya, procureur m'a signé. Communiqué gouvernement de m'a signé. Wa sugal le taratelle là. Chogal est gouvernement dit, pouvoir exécutif qui est différent du pouvoir judiciaire. Chogal était juge Chogal, procureur Chogal était, greffier était, procureur juge d'instruction était, substitut était, planton était justice là. Chogal est de pouvoir exécutif. Quoi de communiquer que là? Oh, est-ce que comme Wabi Renga, est-ce que procureur, aïe qui veut me connu Kodjougou Inkera Mistribala, Araba, Alamsa Kokaye, Segasegali Lanini, ok. Est-ce que Kabno Do, Mounouye Chemine, a dit la procureur Maka Niningawa? Est-ce qu'il y a Darakanwa? Est-ce qu'il y a Anayunyoyoa? Est-ce qu'il y a Niningawa? Kounos, le procureur Machei,
ama cɛ ɲininga a sara yɔrɔla yɔrɔ min tɛ procureur ka yɔrɔ ye o kɔrɔ k'a sara sariya kɔfɛ extrajudiciaire sɛri ka question gulonnen be ye a ko mun ye cɛ ka fatuli ye a bɛ sɛgɛsɛgɛli o jɔ cɛ kun kan nka n'o y'a sɔrɔ ko in bɛ wolo mɔgɔ wɛrɛ fɛn fɛn nɔ la sɛgɛsɛgɛli tɛ jɔ o nɔ la l'action publique est éteinte à l'égard de la personne décédée nka ni a yɛrɛ ko maa o maa nɔ bɛ a la kelen ka saya tɛ aw tɔ nɔ bɔ a la e ye malobɔrɔ suɲɛ k'a fili kogo kɔfɛ mun y'a ta ka taa ni e sara ani mun y'a ɲun ka taa n'o bɛ balo la a bɛ nɔ minɛ dɛ a bɛ nɔ minɛ malobɔrɔ ɲunin na a t'a jɔ a ko mun ye saya ye a fɔra juma dimanshi sufɛ ko nka depuis dimanshi sɔgɔma ale y'a dɔn ko cɛ sara o ko ni cɛ sara sɔgɔma o kɔrɔ ko ale y'a dɔn ko cɛ sara sɔgɔma o kɔrɔ ko mɔgɔ wɛrɛ fana dɔ k'a sara ɔ ko n'ale y'a mɛn sɔgɔma k'a sara ale b'a yɛrɛ ɲininka est-ce que a sara o sɔgɔmada de wa a sara sufɛ de wa a sara sibiri de wa a sara don jɔ k'ale kɔni y'a mɛn dimanshi sɔgɔmada fɛ k'a sara nka kibaruya fɔra jamanadenw ye dimanshi sufɛ donc n'ale y'a mɛn sɔgɔma k'a sara o kɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ kuma dɔ k'a sara ɔ ɲininkali bɛ est-ce que a sara o yɔrɔnin bɛɛ ale y'a mɛn yɔrɔ min est-ce que a sara sibiri sufɛ de wa a sara juma fitiri de wa ko enquête de bɛ n'o bɛɛ yira donc maître mariko amdh an k'o lamɛn À Bamako, les autorités maliennes ont donc annoncé hier soir la mort de l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le président. On y va. Président de la transition, cet homme avait été interpellé juste après avoir essayé de poignarder le colonel Assimi Goïta, la grande mosquée de Bamako. Selon le communiqué officiel, l'assaillant présumé serait décédé à l'hôpital du Point G. Une nouvelle qui laisse de nombreuses questions en suspens, Gaëlle Alex. Oui, le gouvernement a annoncé dans son communiqué hier qu'une autopsie avait été ordonnée pour déterminer les causes de ce décès. Les autorités sont restées très laconiques sur les événements. Elles expliquent qu'au cours des investigations, l'état de santé du prévenu s'est dégradé. D'abord admis à l'hôpital Gabriel Touré, il a ensuite été transféré à celui du Point G où il a fini par succomber. Pour la Commission nationale des droits de l'homme, il s'agit là d'une mort en détention et il faut donc qu'une enquête soit immédiatement diligentée. Écoutez Aguibou Boiré, son président. C'est toujours inquiétant, une mort en détention. Cela vraiment corrobore un peu nos préoccupations depuis un certain moment. Dans nos différents rapports, nous évoquons les cas de violation des droits des détenus. En plus de la surpopulation carcérale, il y a des traitements inhumains et dégradants, pour ne pas parler de torture, au niveau de certains centres de détention. À cette heure, Gaëlle Alex, beaucoup de mystères, encore toujours cette affaire. Oui, à commencer par l'identité du prévenu qui n'a toujours pas été révélée. Idem pour celle de son avocat, s'il en avait un. Son lieu de détention reste également inconnu. Certaines sources évoquent un site de la sécurité d'État. La semaine dernière, des sources proches du dossier avaient laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'un crime terroriste. La garde à vue du prévenu aurait donc dû durer 72 heures maximum avant que le suspect ne soit mis en examen ou relâché. Or, la justice n'a pas communiqué à ce sujet. Le gouvernement, en revanche, a précisé hier que l'enquête se poursuit, d'autant que les premières informations recueillies indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un élément isolé. Ka da kan mun banna a banna k'a to ɲiningali bolo de kan detansiyɔn ɔ ko ɲiningali kɛyɔrɔ la hakɛ de bɛ hadamadenw ye n'o bɛ tali kɛ k'i ni nakana ka dumuni ɲuman di ma ka dɔktɛriw bila k'i ka kɛnɛya kɔlɔsi ɲiningali wagati kɔnɔ ko nka mali ɲiningali yɔrɔ kila bɛɛ gardaviw kɔnɔ zenarmeriw la yɔrɔ fɛn fɛn na ko ko bɛ da maw ka ye ko min ni hal'a tɛ da fali kan ko fɛn fɛn ye hakɛ ye ala k'i kisi o tɛ bato o yɔrɔ la ye ko hadamaden bɛ bɔ i ka dignité n'i ka fɛn kɔnɔ des actes dégradants ko hali bi an ni tiɲɛ ni sariya o batoli an n'o ka ja baara b'an bolo hali bi journalistes bɛ sɔrɔ k'a fɔ o la ko n'i ye mali sariya ta k'a lajɛ a ye ko in kɛ don min na a bɛ se ka to ɲiningali yɔrɔ kasobon kɔnɔ n'o ye lieu de détention préventive ye tile saba n'o banna soit a bɛ bila walima manda bɛ da kan a bɛ taa kasobonba la ɔ ko n'i dun y'a lajɛ ko procureur min ye information dayɛlɛ k'o m'a ka saya fɔ o ma kuma
kobe mausiga nosro atume saria ka bulokan na kume saria ka bulokan amelemba kle sababe bla walma beta kasubombala o adumina dona ka saya donche ibo jati araba alamsa juma sibiri dimashi we kle naniye ikomi onta donga kunta saria ka bulokan o ko progress na makuma olunde saria kuma kelai gouvernement ne kuma na gouvernement te saria buloi funa sro shugal kara progress shugali mali kura funa bedam neti menali wasi kana sunoko abi koita ko tan kle jara li sunoko ni wulai ba sro whatsapp ko no ayija o o gouvernement ne communique ke o gerati ako funa mote moin ki boro do atro di afin di wasi kundodo o menana na sisa procureur ani SE anga mariko la meta Mokhtar Madiko, est-ce que vous avez eu déjà accès au dossier déjà depuis la phase préliminaire? Est-ce que vous avez tenté de savoir davantage dès le départ? Effectivement, nous avons cherché à avoir des éléments pour essayer de constituer un dossier à notre niveau et interpeller le gouvernement par rapport à certains faits. Mais malheureusement, on s'est buté à une question. Parce que dans l'infraction reprochée à ces messieurs-là, vous avez l'atteinte à la sûreté intérieure. Et là, peut-être, je peux avoir peut-être une excuse pour le procureur à ce niveau. Parce que quand on parle d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure, c'est les services des renseignements qui viennent en premier lieu. Et le procureur est obligé d'attendre les informations que donnent les services des renseignements pour les traiter et ensuite les donner à un juge d'information. Peut-être, je dis peut-être, on peut l'esquiser s'il s'agissait de ces éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Mais là où je ne comprends pas, c'est je l'ai toujours dit, il faudrait un minimum d'informations, comme l'a dit Shahan Antakiou, il faudrait connaître le nom de la personne, connaître son origine, c'est-à-dire que sa profession. Même les mobiles de l'infraction. C'est difficilement les gens avouent les mobiles. Difficilement ils avouent. Mais si on avait quelques bribes d'informations sur sa filiation, ça allait peut-être rassurer l'opinion nationale. Mais malheureusement, rien n'a filtré. Est-ce que le procureur attendait, comme je l'ai dit tantôt, les renseignements des services de sécurité parce qu'il s'agit d'une infraction spéciale, atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure, où il ne peut pas se lancer comme ça dans l'eau. Il est obligé d'attendre. De s'informer. Oui. Tentative d'assassinat. Oui. Procureur, je sais. Mais je dis, si c'est teinté d'atteinte à la sûreté intérieure. Il faut avoir les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'il est obligé. Mais dans tous les cas, il faudrait qu'il y ait vraiment cette information et qu'on sache réellement qui était l'agresseur et qu'on sache effectivement comment il a pu pénétrer dans la mosquée, comme l'a dit Serge. Il devait aller au lieu de l'info, du crime, voir comment il a pu rentrer. Prendre des empreintes, ouais. C'est comme ça. C'est même comme ça. L'agression au couteau. Maître Mariko, MDH président, à Koko, je ne sais pas, est-ce que Koinkele voulait à Nini, Kaseka, Adon, Mounebe, Papier Mimbe, je mai non kawa akoku ya nyini kase ka famu abe yoromina munjala kibaka nyini ngaliba ke chukudi munki baro ya be konga kuye kubeke umaseka durosoro dusin ka do akurebe kata chukumi akoku kadaka jalagi flami binembe murutinga kile oye jalagi krengrenye ni oye ka jamana ere kuluma folofolo noye presidanye Kadankari Ola, atteinte à la sûreté intérieure. A quoi y est-il qui craint que rien baye munga djugu? Kobo, atte à ka procureur la face à Konga, ni jalaki taraka se mama, ko mami mba fe ka jamana barakero d'Afrique, mi mungu bina anga. Ko procureur, o ba ko mana kedro ko servi de renseignement de folo bena o barake. Ko procureur bi sigide ka ulu makono, nuluye kibaruya minsoro, o jamana. D'Afrili ni à présent d'Afrili là o kibaru ya ko obesoro ka di procureur ma ko procureur so ka bara damne ka bise ka ke procureur ga mountuni kunye atumeka renseignement moko ma kono vlo ko kadaka ni fensu ko mona ke ko ulu de folobe bara damne ko fe ulu mona bya bi misoro la
o barabe soro ka ke o jabi be procureur be soro ka baradam ni o jabi e ko o be ko fe mu ya le re toro ni koina ko kiboru ya fitini foite ko mo sira ka mu soro koina ko hali no soro kiboru ya misi kara jarati tumbe ko fana be tumsa ke sobe ka mo hakila sigi kula da koin a klinian la a tabulo nyumanga ko nga foi de ma fois kara jakuma boye machite fendo foi na hala tiki to ko mabe kunima machitado ko manganga ke ayemufo amanjo folola ako ni la nyinin kera ka jamona barakero dafri kren kren yala jamona re glonembe siki simfolom na noya president ko mine ou bien ko fo wala mo ko bois placer la chugala chuga minte sariae no bisa ke sobe ka jamona re dafri ako ni o kibaro ni o kewale kunyera dron ko jamona sécurité des renseignements mo de folo yamare alimbe ka bara damne ku sekeskeli ke folo ulumana femi soro la o fin de be soro ke procureur ka bara damne minai maître mariko amdashi utara onaje gendarmerie la ambufu dossier utara naje ka subomba fana kono ni sendashi ambufu ani ministre mo we dossier suit fo kata se cour suprême na chambre d'accusation chambre criminelle la na décision mi mbora chambre criminelle la mali cour suprême ka arrêt aya yira ko mali service de sécurité bara fla de bubulo ka kibaru ya nyini ka kibaru ya fara nyonka ka jemana baragero kolosi surveillance et collecte des renseignements abana ku ka barate ka mugo mine katanie ese kono kati nyininga. L'arrêt de la Cour suprême a interprété la loi instituant la sécurité des États au Mali. À partir de ce moment, avocat manga foblé koni infraction kera ko mamba fe kureta ke ko essai de frokanga barake progrès biski ke e makono. Non. Ça c'est les faits, mais c'est pas le droit. Il y a aucun texte de base à cela. D'autant qu'on a une jurisprudence. Nous, la jurisprudence rasbat déstabilisation. Au jurisprudence, désormais fait office de loi qui s'impose à tous. Non, ce seria tout te, seria mia foko, esse manga mugo mine, katakaniye kati nyininga, à l'insu en dehors de la justice. La décision de la Cour de justice est aussi une source de loi, est un droit qui s'impose à tous. Maître le sait. À l'absence d'une loi, à l'absence d'une ordonnance, à l'absence d'un décret, la décision du tribunal des cours, à partir de l'arrêt de la Cour du suprême portant sur la déstabilisation en ta dossier là, la SE n'a plus vocation qu'à m'ouvrir qu'à blé. Dès que le procureur est là, nous avons information, nous avons procureur de Bara, procureur de Bin nominé. Il te transmet des unités d'enquête qui peuvent se faire assister par la sécurité d'État. Mais tu es enquêté, tu es interrogé sous le contrôle de la justice et du procureur. C'est ça, maître Mariko. Aïmou fo, est-ce que baké? Nga saria fouite ou kanga ke? Peut-être que vous rekundaro kabe, nga tribunal nana ka fo, kou manganga ke ble, à partir de ce moment, a manga fo ble, koni ni etanti surete kera, ko c'est la, le renseignement qui doit venir. Et que le procureur est obligé d'attendre. A manga bo avocat da, surtout le président d'une organisation de défense des droits de l'homme. La MDH ne doit pas dire ça. Un avocat, maître Mariko, ne doit pas dire ça. Du moment où il y a une décision de la Cour suprême, la chambre criminelle de la Cour suprême, qui interdit à la sécurité d'État de se substituer au juge d'instruction, de se substituer au procureur, ou manganga ke, nous informations misro, ils doivent se déférer ça devant le parquet. Et le procureur de l'unité d'enquête d'Aile. Et la SE peut venir à la gendarmerie, il peut venir à la police, quand nous démenons à renseignement ouraoué. Mais ils ne doivent pas eux-mêmes se substituer à la police pour conduire l'enquête. L'interrogation. Il ne doit pas se substituer à la gendarmerie pour conduire l'interrogation. Nous, ok, procureur TSE, vous contrôlez parce que Saria là, elle se rattache les mains directement à la présidence et non la justice. La sécurité d'État relève du pouvoir exécutif et non du pouvoir judiciaire. La sécurité d'État n'est pas une unité d'enquête. Par conséquent, elle échappe au contrôle et à la sanction de la justice. Un avocat ne doit pas dire ça. Le surcroît est présent d'organisation des droits de l'homme, n'a une inquiétude à Jamana demain. Mais M. Mogo a été coupé demain.
Il les conforte dans leur position. C'est comme Nabek a justifié. Or, la loi, ce n'est pas vrai. Maître Mariko Amangake. Amangake. Et pour preuve, on continue encore. Sœur Daniel, Anga Alelame. Je le disais la dernière fois, malheureusement, on n'avait pas eu le plaisir de recevoir Maître ici à l'époque. Quand vous avez montré les premières images, je dis, les images viennent d'où? Vous vous souvenez? Je vous l'ai dit, Shana, vous l'avez dit, non, je dis, hey, Shana, tu te calmes, les images viennent d'où? Je ne conteste pas les images, mais on n'a pas authentifié les images. Et pourquoi on ne voit pas un autre plan? Permettez-moi, moi, d'une manière générale, je doute de tout, sauf du fait que je doute, mon doute est cartésien. D'où la nécessité. Ce que disait Maître tout à l'heure est important. En termes de déstabilisation, ça fait la deuxième fois qu'on a une tentative dite de déstabilisation. La première fois, c'était la même chose. On a amené les gens à la sécurité d'État. Ils sont restés jusqu'à un moment. Vous êtes battus à l'époque pour qu'ils soient déférés devant le juge. Je suis d'accord avec vous qu'en matière de sécurité, d'atteindre la sûreté nationale, dans un premier temps, ce sont les forces de renseignement qui mènent le bal. Mais après, quand même, il faut présenter les gens devant la justice, surtout quand le procureur de la République fait un communiqué. Donc, nous avons des questions à poser aujourd'hui au gouvernement. J'ai rendez-vous avec un porte-parole du gouvernement. Je vous conseille de faire la même chose parce qu'il y a un flou qui existe autour de cette affaire-là. Ok. Cher Daniel Koti, à quoi les cigales me font la foi à l'air avec un cigare? Kale ka siga siga sugu miyo, siga mi mbale brale ka wuli kata nyenyini ka chieni ngalondo ka soro kardua be mufo, kale teto siga konote. Je doute de tout sauf mon doute qui est un doute cartésien qui m'oblige à me lever pour aller moi-même chercher les éléments et forger mon opinion. Au lieu de rester dans le doute statique, mounou yé décartique, mounou yé filoke, mafo mounou yé vourien, mounou yé filodo, loubado, doute cartésien kouroye. Sergio le faut. Ako, Maître Mariko et Moufoko, tiendou, na foroko nyangata bena moume talike jamana barakero jamana red d'Afrilika, ko sécurité renseignement de folo bena, ko nga ka wogati ko nita chien folo yo, ka kera kera moun na kou minera kata eshe la, ko datouye, ko aure kelebeke ko kouboye. Serika ke gounto wakwana, il est très très diplomate. Ako vous même allez quoi, vous vous êtes battu pour qu'il puisse être présenté devant la justice. Mais notre Serika kouma yon koroka goudou. Que vous-même à l'époque vous vous êtes battu pour qu'il puisse être présenté à la justice. Mais nous yassoro, sécurité d'être n'a barado seria la ka on a me folo mouna aimdashi beta kelege ka youbla. Aïta nous justice voilà. Serge est très diplomate. Avec tifié kato yele la menitari daga to wana me de douglaf ebe wuli ou la ilaha ilala yemfora. Serge est très très fin. A quoi vous-même à l'époque vous vous êtes battu pour que ceci puisse être présenté à la justice. Margoreko effectivement mais non sro sécurité ga baralo et mon obeta ka ga bara blaka di mgorema Mackenzie pourquoi vous vous êtes battu parce que vous avez reconnu que c'est pas la mission de la sécurité d'état c'est à la justice de faire ça sinon il n'y avait pas lieu de se battre là n'est-ce pas au de faux oh magistrat era do tout me plateau ka Moussa Guindo et Sidio Tamanina Moussa Guindo obala me mbado abendo. On est bouillagé que depuis 10e, qu'à 11e que, qu'à terminal que, qu'à ta éla que nous avons fait. Mardo 3 avec Moussa Bouya. À 30 sur un minéral mais ouvert une case sur la déstabilisation. À 30 matchs même pas fois Jésus Jaraka. À n'engager dit trop. À boler comme avoir fait un fameux thé ouais. Moussa Guindo Kling. Quand ton case sur la communiquer me gagne à cala. À 30 mouf on a fouillé case sur qu'on a Jara Klinga. Allez bardo ne bardo. Mais nous avons dit que 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 nous avons dit sur pourquoi le procureur est muet, vous vous estimez que peut-être que le pays n'a pas intérêt que tout se sache autour de cette tentative d'assassinat du président Assimi Goïta. Moussa Guindo, vous en tant que magistrat, quelle lecture avez-vous de l'évolution de cette situation? Merci M. Touré, je remercie mes co-débatteurs. Moi je suis à l'aise, hein. Vous voyez que les deux qui viennent d'intervenir ont tous parlé dans la conditionnalité. Ça me donne une même idée, on peut les entendre comme témoins. Et ce qui est sûr, le progrès il est serein, je ne suis pas son porte-parole. Je suis juge. Il y a une camisole de force. Ça veut dire quoi de rester dans la loi? Parce que nous avons une affaire politico-juridique. Et c'est très difficile. Et la réalité, c'est que le procureur a déjà fait un communiqué pour dire que l'enquête, c'est lui.
c'est lui qui enclenche la procédure. Aujourd'hui, votre thème, c'est par rapport à ça. L'auteur est victime et il a été trouvé mort, selon ce que Sana vient de le dire. Ça peut éteindre l'action publique. Ça, c'est selon le droit malien. Et pas de précipitation, ça veut dire quoi? Parce qu'en droit, lui-même vient de le reconnaître. Il a donné l'exemple de l'affaire de Gourgueri, le pull rouge. C'est une réalité. Et la justice va lentement et sûrement. Et pour informer, et le procureur va sortir dans les jours à venir et donner des explications. Mais pour le moment, avec ce décès, ça met fin à la procédure de poursuite. Mais ça va impliquer les complices. Les complices, c'est qui? C'est à rechercher. Parce qu'aujourd'hui, lui qui vient de décéder, il a été pris. Son identité n'a pas été connue. C'est juste qu'on vient de l'apprendre, tout ce qui est là aujourd'hui. Parce que c'est les journalistes aussi. Ils passent par des investigations. Nous, ça nous intéresse en tant que praticiens de droit. Et au-delà de ça, le fait que l'affaire était au niveau de la sécurité d'État, ça rend difficile aussi le travail du juge. Nous, on a tout le temps pour, comment on appelle, dénoncer, parce qu'aujourd'hui, il faut tout le temps judiciariser des actions pareilles. Parce que nous sommes en politique, la justice est là, nous suivons comme du lait sur le feu tout ce qui est infraction par rapport à la loi. Et cette fois-ci, je pense que la justice va jouer son rôle. Nous maintenons notre communication, et dans les jours à venir, il va y avoir l'autopsie, dans les 48 heures, parce que le travail a déjà commencé, je vous donne l'information. Et en plus de ça, c'est une affaire très sensible. Et je n'ai pas trop joué sur l'actualité. Ça peut causer d'autres problèmes, mais donnez le temps à la justice. Je suis parfaitement d'accord. Le peuple a besoin d'informations. Le peuple veut comprendre. Les journalistes veulent expliquer. Mais nous, en tant que praticiens, il faut qu'on soit pédagogique, responsable, donner des vraies informations à un moment. Parce que avec les trois pouvoirs, il y a un problème d'immixion dans nos gestions de procédure. Ça, ce n'est pas normal. C'est ça l'indépendance de la justice. Mais ce qui est sûr, depuis 10 ans, la justice malienne a changé de fusil d'épaule. Et je pense que nous allons continuer sûrement. Ah, il était trop mindon. Il était jamu mindon. Maman Mika Marakono. Oma Bara Minke. Imam Romichi. Oma Bara Minke. Il était de Cherebe Yoromina. Qu'est-ce que c'est que Boka Munki Baroya Fon? C'est là que je suis d'accord avec le procureur, avec Moussa Guindo. Le procureur ne peut pas sortir dire comment il s'appelle, parce qu'il ne sait pas qui détient le suspect. Procureur, c'est qu'à fond, Mouye Mourouta Chimkama, toi, il dit. Parce que, à tes procureurs, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non, à tes procureurs, il n'y a pas de problème, police ou boulot. Avec sécurité de boulot. Procureur de la sécurité d'État Nininga, Sariama Yamaria Ola. Allah ou Nininga, sécurité d'État Djagolete, procureur Djabi, Sariamu Nininga ou Fanala. Sécurité d'État présent de Katakono, au début Chi, ou Betchi Djabi pour président de. Présent nous te procurerie, président te jugier, président te gendarmouye, président te policier. On y sait sécurité d'État et toi Nininga Ligue, après faut présent de. Procureur te Kachiden te présent. Procureur te toi Mindon. Il n'y a pas de gens qui dit. A quoi on a dit? 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 A quoi quand nous communiquons sur des vrais. Oh, il y a une femme qui est ni dans les mal. Oh, il y a une femme qui est. Ou bien il y a une femme qui est dans la femme qui est. Non, il y a une femme qui est. Non, il y a une femme qui est. Non, il y a une femme qui est. Je ne sais pas si je suis une femme qui est. Il y a une femme qui est. Ma femme ma fille. Il y a une femme qui est. À quoi voilà pourquoi le procureur n'a pas parlé. Finkera Araba, à la mise en procureur communiqué que ni Saria B, Djamana Bayre Bounia, pouvoir exécutif Bayre Bounia, gouvernement ni président à Baraté Kirié, gouvernement ni président à Baraté Enquêtier, gouvernement ni président à Baraté Mugominaye, gouvernement ni président à Baraté Kasola Donye, gouvernement ni président à Baraté Enquêtier. Depuis Enquêtier, quelle est la série Mouyamero, Bora Kounia Bara Damne, Itna Dama. Et Bora Dugonoga Dabata. Qui va de bagla et d'où nous m'en gavons à cogner fan d'amne ni toi interroge t'en m'en gavons à baradama et je veux ta qui veut que moi je me fous la pour à cogner un jour et à la jimé dama n'est à toi n'y et moi je me dis je me fous la même chose je me fous voici pourquoi il peut pas et Moussa Guindo a dit voici pourquoi le procureur n'a pas parlé contrairement à l'argument de maître Marico qu'au procureur beka est-ce que renseignement makono procureur c'est à moi parce que procureur beka qui va regarder sur le canal où nous faisons les gendarmeries policiers. Suspect à tes gendarmeries là. Amadi Mali gendarme Shima. Amadi Mali policier Shima. Moussa Guindo de Faux.
quelle gendarmerie l'a interrogé? Quelle police l'a interrogé? A Tarami? A Bézuri là? A quoi Mali Code Pénal là? Est-ce que tu es un héros? Est-ce que tu es un héros? Est-ce que tu es un héros? Est-ce que le progrès est un héros? Est-ce que le progrès est un héros? Est-ce que le progrès est un docteur? Est-ce que le progrès est un héros? Financier à Barala, autour de Baraye. Non. Voici le silence. À quoi me sert mon quel inflet? Quand le Kibarua dit, Jamama, quoi enquêter d'elle, la tchèse à la Tchoukoudi? Progrès Founak enquêter d'elle. Progrès Founak enquêter d'elle. On se demandait tous pourquoi le progrès ne parlait pas, mais voici la raison. Ah oui, je te donne un truc. Et Maître Mariko Koti, Jeanne et Serge Côté. Progrès Nangatra, que vous trouvez, enfin, Mistri Bala, quand tu as collé, c'est le Lundu, Kokera Chogomi. Caméra Feve, Mistri Bala, ou à Bebo Ado, à Tarami. Progrès ou Tras, la caméra Fouité. John en a beaucoup, Vesitigou. Ou Tarami, Mouretou, Tarodon. Mobili sans plaqui. Fouité. Procurer des informations, bon. Je regarde les trappes communiquées qui étaient là. Je regarde les trappes communiquées à Karachoumi, oui, oui. Mais le communiqué même du décès, ça y a, à Niko Segeseli, Tobé Sénat, John Yake, gouvernementaire. Communiqué signé par le gouvernement. Ko Tché Sara, ko Saya Te Segeseli, Tobali, ko Yanaka Saye, Kibaruyabo, Kibaruyamu. C'est le gouvernement qui a communiqué. Le procureur communiqué top magoya. Le procureur a enquêté dans le monde. Pourquoi le gouvernement m'a communiqué dit procureur? Pourquoi le procureur m'a dit qu'il s'agit? Parce qu'il y a un procureur. Il y a un procureur de gendarmerie. Il y a un procureur de police. Voici pourquoi le procureur... Moi, je suis là. Et que pour toi, ça y a fort. Na fura ko mo yon fura joya fura ete abore de fura lo halene proger nuna na mo ko ngata komunike galante adia afura ro bro kana kuna kata fanya vonte tafo nte tade audia mine nga ukana na ayau pa asara ara kata sayafo. Même si c'est moi le procureur, j'ouvre une enquête. On ne me confie pas le suspect, je conduis pas l'enquête. Le suspect est dans un endroit que je ne connais pas. Hala toron ta don. Aoyem balika ta nyininga. Aoyem balika torodon. Aoyem balika jamundo. Aoyem balika sigirodon. Aoyem balika ayake kumina kodon. Aoyem balika dona kelo ni mgorete. E o sale kone gato kumunikeke. Metam kumunikeke. Voici pourquoi le gouvernement était obligé à communiquer kaere. E o djien fanjo. Procureur poursuit le gouvernement communique. Ya djien fanjo. Séparation de pouvoir. Depuis quand? Depuis quand le ministre de la Justice ne le fait pas? Parce que l'enquête, c'est sous l'autorité du procureur et non le ministre de la Justice qui est de l'exécutif. Mackenzie. Donc, quand on prend ça, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont dit le 7 janvier 2021, M5 RSP fustige l'attitude des autorités. Choguel les moufaya la mède. Concernant les arrestations, Mounouye Mineli, Choguel et ses éléments les condamnent et qualifient de pratiques de notre époque. Comme Mineli Mekela, janvier, Choguel n'a pas fait mougou. Ou pas con, car comme il a kata depuis Dje Kadi Wurati, mais qu'on y est Dje Koroba Kodi. Ou Dje Koroba, Dje Bekata, mais on me kounou Kodi, la babouni. Choguel Nakamou, M5, imam de la de boulevard Anis Jamil. Oulé Kakumaka, à la mède, à l'issue de sa réunion du 5 janvier 2021, M5 est réunion Minke, Janvier Kalo Klem Guanindourou. Le M5 a fait le constat de multiples arrestations extrajudiciaires auxquelles procèdent de plus en plus fréquemment les autorités de la transition à travers différents services parmi lesquels la Direction générale de la sécurité d'État, dont l'accès n'est autorisé ni aux avocats, ni aux défenseurs des droits humains, ni même aux magistrats avant le bon vouloir des responsables du dit service. Communiqué lui, Choguel, colonel Choguel. À quoi?
U kilalen réunion na juillet kalo janvier kalo tile duuru san ba fila ani mugan ni kelen MCRF ko k'olu nan'a ye k'a fɔ ko minɛli caman bɛ kɛla bi justice tɛ mun kalama u ma ɲininka a tɛ saraw la wa ko minɛli caman bɛ ka kɛ jamana camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala baarakɛyɔrɔ minnu n'o tɔ tɔgɔ ko sécurité d'état ko yen nɔ yen donni o yamaruya tɛ avocat bolo a yamaruya tɛ adamadenw ka jo hakɛ fasa tɔn bolo a yamaruya tɛ magistrat bolo fo don min na ni camancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ani sécurité mɔgɔw n'u yɛrɛ nisɔndiyara don min na u bɛ n'u fara walima n'u wasara u bɛ sɔrɔ k'a tɔ ta k'a fili magistraw kan emisɛn ka communiqué Jogel de janvier 2021 extrajudiciaire par la DGSE dont l'accès n'est autorisé ni aux avocats avocats tɛ se ka don ka ta sécurité d'état kɔnɔ mɔta anw najɛ ni aux défenseurs des droits humains CNDH ani AMDH olu tɛ se ni taara u tɛ yira i la ni même magistral magistrat yɛrɛ tɛ don ye Jogel de fo janvier procureur yɛrɛ tɛ se ka don sécurité d'état kɔnɔ parce que sariya ma yamaruya n'u ko k'a tɛ don foyi t'u obligé mais e ma don ka fɛn min ye e bɛ se ka bɔ ka mun de fɔ jama ye Makenzi qu'est ce que le procureur peut dire dans ce cas le procureur de la communauté a bɛ se ka mun de fɔ nin na Jogel de nin fɔ ye A quoi selon le mouvement de M5, la présentation ultérieure des personnes arrêtées ou détenues en dehors de toute procédure et délai légaux ne saurait en aucun cas ni justifier les méthodes employées, ni couvrir les graves violations de la loi et encore moins préserver les libertés et droits fondamentaux des citoyens énoncés. Jogel Ko, quoi allez-nous Clara Kata, Mami Minerebe S.E. Bolo Kata dit, Saria Boloma, et Minali Wurati Kofé, Saria Kofé, ko ote ala dile ote sariya soso boye ote yɛrɛsagokɛ boye ote hadamadenw ka hakɛ sosoli o to wuli ka boye ko transition in taabolo de y'o ye janvier ni Jogel kumakan ye dans la constitution du Mali et dans les conventions internationales dûment ratifiées ko Mali ye fɛn fɛn signé a y'a bɛɛ sɔsɔ le mouvement M5 s'est dit même prêt à combattre cette pratique qu'il considère d'un autre âge Jogel ni Bitaru ko ani Umaru imam de boulevard ko n'olu ye fanga sɔrɔ u ye fanga sɔrɔ u ma sɔrɔ ko ka mɔgɔ minɛ ka taa n'a ye sécurité d'état la juge tɛ se k'a ye avocat t'a ye u droit de l'homme t'a ye sariya ma yamaruya k'olu b'a kɛlɛ k'u to jamiyɛli ka guru kɔnɔ u b'a kɛlɛ k'u to kari kɔnɔ u b'a kɛlɛ k'u to imprimeri la u b'a kɛlɛ k'u to gudɔrɔnba sanfɛ u b'a kɛlɛ k'u to fan bɛɛ gulɔkiba bilenman kɔnɔ k'u b'a kɛlɛ k'u to fan bɛɛ M5 bubu gudɔrɔnba sanfɛ la ilaha illallah an bɛ sa k'u ta to ye Jogel Jogel kɔrɔni ani imam koroni bital koroni zoroboto bi fanga b'u bolo i tulo b'a la sɔɔni sɔɔni dɔrɔn facebook bɛ minɛ n balimaw mali cira M5 janfara rectification il faut rectifier ɔ Jogel yɛrɛ bɛ yen bi ɔ Jogel kelen nana kɛ premier ministre ye ministre de la justice ka ɲɛmɔgɔ SE ka ɲɛmɔgɔ o mɔgɔ kelen taara SE la procureur tɛ se k'a ye a ye maître mariko mankan mɛn u taara u ma se ka don Jogel kelen ko non k'a bɛ faamu Makenzi a bɛ faamu dɛ ko a y'a faamu ko rectification daminɛra ko b'u ye dubabu kɛ ale ye non hadamaden non c'est pas possible ni mɔgɔw ko kuu ko mercredi a bɛ diya maintenant k'a tɔ bɛɛ la ni ala ni kira sɔnna ma sa ɔ suspect tɔgɔ ye di Anga suspect mun yere sara anga to la mais le décès du suspect maintenant par rapport au nom du suspect lorsque nous avons appris le décès nous avons essayé d'appeler de sources proches du dossier et il m'est revenu qu'il s'appelle Alassane Touré originaire de Nyono né en 1991 et il habitait en commune 6 notamment Yilmadjo. Voilà des informations que... Quelle était sa profession? On me dit, j'ai posé, on me dit, bon, il n'a pas un travail fixe. On dit qu'il n'a pas un travail fixe. Okay. Il n'a pas un travail fixe. Okay. Donc, je pense que vraiment, nous avons besoin de la vérité. Okay. Et cette vérité-là, ouais. Il faudrait que ça vienne okay. par le canon de la justice. Oui. Certes, Daniel, là... Voilà. Ko Atoua Alassane Touré, Abebo Nyono, nga sigilen bɛ yirimajɔ
Ashi à Bangera 1991. Oui, Odebora à Kokonala. Oh, Banamimbe Allah. Maladie. Oh, Angolame. Il m'est aussi revenu, Serge, que le monsieur de départ était condamné parce que il était sous dialyse, semble-t-il. Selon les informations qui me sont parvenues, il était sous dialyse. Vous avez dialyse. Des informations comme ça? Pourquoi maintenant, le procureur n'arrivait pas à donner toutes ces informations ben, au public? Que chacun fasse son job. Nous, c'est notre job d'aller chercher les infos, de les diffuser. Que le procureur aussi aille fasse son travail et qu'il vienne nous rendre compte. Okay. C'est son devoir de nous renseigner sur ce qui se passe. Peut-être c'est une question de tempérament, de style. Parce que le procureur de la commune 4, lui quand même, les dossiers brûlants à son niveau sont traités. L'opinion est informée, mais en commune 2, silence radio, hélas. C'est regrettable. Donc vous disiez que le métier était sous... il avait quel problème déjà? Il avait des problèmes de santé. Dialyse. On paraît qu'il était sous dialyse, quelque part, condamné. Attendez. Semble-t-il. J'aime bien le semble-t-il, parce que quelqu'un qui est sous dialyse... ne peut pas courir comme il a couru. Vous me permettez de douter de ça sans la preuve. Est-ce qu'il était drogué aussi? Moi, je pense que oui. Vous avez eu la même information, mais il faut avouer après moi. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est à César ce qui est à César. Je vous dévance souvent. Donc, mais je pense que quand il a été arrêté, à un moment, il ne pouvait pas parler. Et ça, plusieurs sources proches du dossier l'ont confirmé, du moins. Il était sous l'effet de produits psychoactifs. Mais est-ce que vous avez déjà une idée sur les conditions de détention? Ce qui est sûr, là, j'ai une information précise. Le jour où il a été arrêté, il n'a pas été remis entre les mains de la justice. Donc, c'est entre les mains des forces de sécurité. Si vous voulez être prudent, c'est l'expression consacrée. Il ne faut pas dire chez les forces spéciales ou à la sécurité d'État. Vous risquez de passer à côté. Mais si vous dites qu'il était entre les mains des forces de sécurité, je pense que c'est une expression qu'on peut tolérer. Voilà. Jean Atakiuko, à Kassereskelila, Alassane Touré. A fora ko bana tumala bana min na be wole bamananga na ko kumakili bana tokana insuffisance rénale ola dokun kono chien fla sabai beta ube ijeli seke seke noye sous dialysé ko tumala cherjou abe jean sou boninga ko atunya utunya me fona ko abe ko inke domina ko atunya droguta cherjou ko o kleni atikele me ko ojele atun drogu efe utumafka. Konga shana kapumai, ale ka besika ula doni kadaka, ale bulu mami nini mbana sugu bila, nibeta ninke, ko chaye buli minke ki guron ki dashi minga, ko ni mbana ki tila kwa ni mbuli sugu kape gelea. Konga konimbe mundon, jonisi ba yine, kweske kube kibaru ya don, aminele atume la hala minkono, le condition de détention. Serge Koko atsega fenfo la konga komimbe ni ujele nwa bo da jama kuloka. Ka minera domina udo ama di justisi ka buloma. Ama di procure, ama bla procure ka buloka, ama bla kiri ka buloka. Kale tseka fo surasi kele munu nya mina leba fodroko surasi kulu. For special ashimga mgo de taranae, ashimga woko no kati wa. Jauga mgo de taranae wa. Kone de taranae su la wa. Kou lui prefer ka fo force. De défense Mouro. Konga, lui, c'est que a dongoni, a m'a dit justissima, a m'a dit procureur. Donc, ma kenzi, moi, ma kalfa, elle a ebse kak moun ki barra do okan. Ibe se kak moun communique ke okan. Encore une fois, cherche ko fe, siana ko, kap se kak ke procureur kak ma balia fanabe ke are kechoué, ko beni da choko de tempérament. Ko note communicati procureur ou, ko dossier ba fem fem be, alebe kumakan. Tien de touré be kumakan. Nga dossier bafo il fanamata Touré baramu ye kudeta ko dossier. Touré tabe gingo, arasam nera utaraji, banin gelaw, ani munu ye musomanu, mine musoko kado basketi la, ani pulisuka fakali. Touré makla folo. Nga ma dossier met Touré karo la mou ye sécurité d'état et déstabilisation koye. Donc ni oyoro la ni kuiwe procureur commune de comparer Touré la. Comparaison est clé parce que vous pouvez communiquer dossier mon gars, ou dossier est atteinte à la sûreté,
Ça, c'est quasiment des infractions à la limite un peu classiques, ordinaires, nambaye. Donc, qui sont pour la plupart des délits, tandis que les crimes sont un crime qui porte atteinte à la sûreté d'État. Et la sûreté d'État est là. Tellement que je suis là, il faut que je développe le sariat de Koué de Kangake. Comme maître, mon père, maître Mariko, qu'en matière d'atteinte à la sûreté, cher Jérémy, c'est la sécurité d'État qui mène le bal. Ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Et le magistrat est venu pour dire que c'est faux. Et la Cour suprême a dit que c'est faux. Et ce qu'a baraté. Ou est-ce que le M5 aurait communiqué côté extrajudiciaire par la sécurité d'État, dont l'accès est refusé aux juges, aux droits de l'homme, et que le Mali a violé, quoi ça viole la constitution et les engagements du Mali. Je vais aller à côté. Quoi ça viole la constitution du Mali et tous les engagements internationaux ratifiés par le Mali. Mouakata est cela. Avocat est Tiladje, magistrat est d'eau, organisation des droits de l'homme est d'eau. M5 Chogal est à côté. Quand même, la constitution, ce sont. Parce que la constitution, Mahoumani Minera, comme Moussa Guindo l'a dit, avait fait avocat au Hake Tali, au Tali Hake Bibolo, docteur Betty Ladje, Naï Ningara, ni Mafika Moundjabi, il était Djabi, il était Goshi, il était Neni, il était Bourro. On est droit. On est constitution. Chogal, quand même, la constitution, ce sont. Chogal, on est à la constitution, on est à la traité Beko. A quoi nous voulons essayer que ça passe. Chogel, mois de janvier, c'est une violation. Chogel, maintenant, est très silencieux. Ah, Mackenzie, j'ai un kabounde. Ah, Ramadan, t'es comme ma fille d'art. Mon angoté, mon baya te chier. Mon baya te chige. Mon baya te joroy. Mon baya faut tenir tchou, ka faut trata tcha à toi dit. À toi dit. À toi, il dit. Prenez le faux marouillé. Chogel, coco, mali, constitution. Constitution, il ne faut pas. Connais Chogel, n'en a pas payé le ma. M5 est méga game, un code là. M5 est communiqué, Kenning, en minéli là, en bouffo, ou ma à foi au dos, quoi, en cadouillé. Ou à foi parce que au dos, ou n'y a tout mes tiens là, tiens fasali, ou y a des faux dos. Je ne sais pas si je vais communiquer pour que je vais me faire une place. Je vais bien les voir. Même mon jeune frère, il y a deux cafés qui sont trop effondrés. Je vais me faire une place à trop OT ou bien OP ou bien OO. OMT. C'est un jeune. Ou bien pour la voiture qui a claqué. Ce n'était pas pour Raspatch, mais c'était pour des principes. OM, à toi. OMT, Bemi. Annie, mon frère, là, est bon aussi, Bain. Sera quoi? Sera faux, Bemi. Magandia, Bemi. Quoi, John, mon boyer? Jack Boyer, Bemi. Ou Bemi? A bien déstabilisation cliné. A bien qu'on était présent de réversilia. On me le roule là comme on fait au coureta qu'on est nassi d'une hydroloxie. Entre ceux-là. On n'y minera. Quoi faut-il que je fasse qu'un chim fera? A bien était présent. Bandeau était présent. Hachim est présent. On me le roule quoi on veut déstabiliser. On n'y faut-il qu'on fasse qu'un déstabilisation. On veut communiquer quoi c'est manga on mine. On essaie n'y mine bien. On veut faire la communiquer bien. Oh quoi? Aïe, oh, OMT, mon jeune petit frère là. OMT, Bemi. Serafo, Bemi. Ah, boy, Jack Boyer. 24 heures couronne, Bemi. C'est la même chose. Nautura, ni Tchoroba, Kouba, Fouaou et Demisenoune, votre avenir est défend. OMT, tu es jeune. Jack Boyer est jeune. On est de la même génération. On n'est pas comme Benye fait. On est de la même chose que le quoi. Abé retraité la baraté. Omarou dit gosse des femmes baraté. J'avais le but carrière zéro. Bilan zéro, avenir T. Audalemouko. Tu vas avoir un contrat, il va t'ami. L'homme, c'est la cohérence dans le discours, dans l'action. Où sont les militants du M5? Magenzi Oubemi. Alassane Touré, n'est pas don. Mais Munkera là. Munkera n'est là. Agnouam Sake OMT là. Agnouam Sake Sarafola. Agnouam Sake Jack Bouer là. Mais ni au mokuma bi sinina kera au la ni mwora da de doun. Mackenzie, akanga ke?
n'y a foi à Chogel Sigido. Ou pas aussi, il a fait bébé de mission pour Chogel à Teta, Moussa Moukou à Teta. Chogel Teta. Il n'a pas la culture de la démission. Il n'est pas formaté pour démissionner. Chogel Teta, principe T, conviction T, c'est le suivisme. Seul le titre est leur objectif et les avantages à Bana. N'y a foi à Wurati. Je l'ai dit à l'époque. Abemi. Oh, autopsie, on dit autosimga. En autopsie, là, mais. C'est que c'est que le procureur de la commune 2. Makenzi, abseka ni toro fo chokodi. Abseka jamu fo chokodi. Shiana est toro soro. Aye jamu soro. Banamba la kasoro. Parce que Shiana est journaliste. Avec la mission, c'est ça l'investigation. Avec un canal. Mais procureur est joint. Le procureur est un agent de l'État. À ce titre, Djamona est unité d'enquête ou d'ama. Akanga Kiboroya ni joint, gendarmerie. Akanga Kiboroya ni joint, policier. Nomneli kanga ke ale de fait. Et ni mourobe ale kome ka mouro nom, nabe mouro rebolo tiki bana kananae. Aba bomi, on serait jugé le procureur par rapport à un journaliste? Non, on ne peut pas juger le procureur par rapport à un journaliste. Pas du tout. Pas du tout. Atsega ke. Le procureur, quand tu parles, c'est sur la base des preuves matérielles. Et suivant des canaux que la loi a prévus. Très clair. Que la loi a prévu. Dans l'oumima bola, sur Tchoukoudi. Ibo Tchoukou Fana Labo. C'est clair et net. Donc, maintenant, c'est ce que l'on a. Et comme Moussa Guino l'a dit, le procureur de la commune 2, enquête il faut que l'on a dit, ou bien, le tchèque salé, il faut que l'on a dit. Kassara Tchoukoudi. Au Sengasengali Bélé. Makenji, une deuxième information a été ouverte sur les causes du décès de la personne. À Sara Djombolo. Comme Chiana l'a dit, oui, au courant des doigts là. Oro la même question posée. Chiana dit que insuffisance rénale tout mal. Cher Jugo, allez pour le nom, il est tchèque à Boulitan. Mais il y a une question de poser. Amenedo, au Goko Drogo, Kapu Falendo. Atara blaye er badé até avec son rôle à moitié à la oule. Il faisait que dormir. Au mafo, ni soukoula ni mougomine. Katanaï, kasura falenou. A falenou tsega kuma. Ou bien kuma se bat mafo. Avec son rôle à tek à ouli. Et mougomé qui broye la jona. Non, sur la ni mougoure do. O tiki kanata bari aula. Ako tiki don jona kato mena yano ka passe plan bela. O tanketia, ikiteria, ni complice ou bala, ni plan B, ako plan B don, voilà ça ou qu'on a pensé plan B là parce que plan A échouera. Donc vous avez intérêt à kabo snogola jona, ou à kana sa jona, parce que na sara, kasaramo kibara dauma, ou ta complice ou don, ou te plan B don, ou bise ka réussi. Magazi ou te tiens, ni sou la ybe mounge, kabini baro drogou bala, ou betana e drogou, mounoume drogou frage ou loubara. Ou ba mne ka laje. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous la drogue quantité nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que drogue quantité dit que nous avons 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 établi. Quelle est la nature de la substance administrée? Quel est le degré de la drogue qu'il a consommée? Elle est dans quel état physique? Est-ce que à quoi peut-ce qu'à supporter wa overdose ben mourra? Ni drogue chara doma bouffra. Donc peut-ce qu'à kilo clémi a te fengula do be flamme a bouffra. Donc be bière clémi ou be chou do be casier clémi ou be jo. Armadou te clégné. Donc le médecin pourrait établir tout ça. Non sur aller faire quoi le chugomi? Un drogue sugominta. Hakemba gola. Ni komaka ma besa. Ils vont procéder à ce qu'on appelle la désintoxication. La désintoxication. Substance ou fonabé. Ou bon blague à tout jelikono. Ou bon drogue neutralisé jelikono. Ils peuvent tuer l'effet pour que ika nyanamaya ka kisi. Protéger tes organes vitaux. Afin que ika na sa. Pour que kibera mi boule ika soro. Makenzi ori beke follow. Ali ba filmuna. Ni policier qui s'est timogola, ou bien au camine, n'a pas l'hôpital là, médecin ou pas à blafolodi, à kakeneo, ou bien à koni,
akabosa ni baloche apra bisoro ka nyininga suba fi me police jagboro be kachire non ne meurs pas parce que na sara bara be gladi donc na awya mine drogu bala a fallu na be snogola aitana e il y a un service de toxicologie à point G partout. Les spécialistes sont là. Ou voilà ben. Avec Kenya ka drogu bala. O analyse qu'on a besoin kataye ker dimbala. A besoin kataye bonawore bala. Donc ni ko iba gosi chukodo, ni ko be fe no kala anime toi là. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est le préalable qui aurait dû être fait. Mais s'il y avait un procureur, ni juge gendarmerie kundo, ni police kundo, ou le ben imbe de jetemne. Parce que ni fera police boloi, quand sa gendarme boloi, mort en détention, akadokaya torturé, au kadjougou. Mais ni shimake, kasarati. Donc, autopsie mimenake, le procureur a ordonné, je suppose d'après Moussa Guindo, qu'enquête d'elle là sur la mort. Donc, au enquête, gouvernement va enquêter là, procureur va ta là, en même docteur ou le boulot ça. Est-ce qu'en gagne docteur ou la wa? Autopsie, maître Marigo Lame. Déjà, Mokhtar Mariko, hein, oui. Le communiqué, vous avez appris la nouvelle, hein, comment vous avez pris cette, comment, c'est-à-dire la réaction au niveau de l'AMDH par rapport au communiqué. Ok, je vous remercie, parce que s'agissant du mort d'homme, notre association a l'obligation de réagir et de comprendre ce qui s'est réellement passé. Voilà pourquoi cette affaire nous intéresse. Et nous ne voudrons pas que ça s'arrête au seul communiqué du gouvernement. Et comme l'a dit Serge, il faudrait qu'il y ait aussi une autopsie, mais une vraie autopsie, pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Nous nous sommes aussi troublés, parce que il n'y a pas de communication autour de cette affaire comme l'opinion voulait le souhaiter. Et le procureur sur qui on se fonde, parce que dans le milieu des militaires, l'information peut ne pas filtrer. Mais à partir du moment où le procureur s'est saisi de cette affaire, a dit publiquement qu'une information est ouverte, on devait quand même avoir quelques éléments. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Et c'est ce qui nous met sur notre faim. On reste sur notre faim et on attend de voir. Chana Takiyu, il parle du procureur. Maître Mariko ko comme Serge ya fo chugamina ni ko in ko sigabala wa mau be ku era nyiniga ko fenkele mi mbese ka bela jeya bambaga to sumi na fora ko segeseli be na ke ka laje saya in ku yin munye ko be jigi be odeka wa ko segeseli o ka ke segeseli jele la ki ka de in vraie autopsie mana ko robe nyoko na de o kro docteur u bebul le bolosa. Docteur Dokanati Joka Miria Jorola, ou bien quoi souffre ou beta boro don kuna, Walmanie Ningame Placid Dima, ou kata Fogwala de Afra, alere Jibrila Jigintoe, ani minera kato snogola, mouma sama, une vraie autopsie. Oh! Mundarauka, Angola me. C'est que l'affaire n'est pas terminée. Parce que dans le même communiqué, il est dit qu'il y a une autopsie. Et vous savez, c'est le monde médical. Le médecin, il y a un médecin malien, un médecin chinois, un médecin... Et vous avez un rôle à jouer, parce qu'en ce moment-là, l'autopsie qui va être réalisée par des médecins agréés, qui ne mentent pas. Ah oui, parce que ça va être terrible s'ils mentent. Les médecins ne mentent pas, il y a le serment. Donc à partir du moment où le gouvernement dit qu'il y a une autopsie, on va rattraper probablement la vérité. Donc peut-être qu'on peut se permettre de croire à la bonne foi du gouvernement, parce que le monsieur, ça suppose qu'il n'est pas inhumé, le corps est conservé, et qu'on va choisir des médecins. Et je ne vois pas, je me souviens, lors du premier coup d'État, il y a eu un communiqué qui a été fait par le porte-parole à l'époque, monsieur le colonel, l'actuel ministre de la Réconciliation, qui était un peu le porte-parole de la junte, il a dit qu'il y a eu zéro blessé, zéro mort. Et ça m'a fait sourire, parce qu'à l'hôpital Gabriel Touré, ils ont dit non, nous avons reçu ça, le médecin ne ment pas. Donc si une autopsie... Parce que ça, ils peuvent avoir des problèmes en justice avec ça. Donc c'est très... Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est une autre affaire qui commence? Ah oui, ça va être l'affaire... En dehors de l'affaire judiciaire, c'est une autre affaire oui, qui commence. Tout à fait. Vous parlez de transparence, je tout ça. Je pense qu'on aura une bonne dose de transparence avec les médecins quand il y aura une autopsie. Voilà. Ce n'est pas
Serge Ko, a ko autopsie docteur Ouka Kandi, ka koroka bunde. Ko ale dalembala, sega sega li melake soukan, ka saya kounye nyini kadon, abeke jele yala, wajabi obe jaya. Ko malien docteur Oube, chinois docteur Oube, ko docteur yere yere halala tengalon tike. Kada ka kuyu kali, wakale waroko mali docteur ou, uyu kali, utengalon tike ale dalemula. Kona ma kwe ala kan kisi ni docteur yengalon tike, ko koroka jugunde, ko sabay terrible si ment. Kala kli bala nyona kera kureta 2018 juillet outi wakati. Ko colonel wage bora kafo, ko kureta mingera ka nyoma ke, ko mwashima sa mwashima bana zoro mor zoro blessé. Ko douseja gabretre mwo bora ko c'est pas vrai, ko bwo bade ni bana le mambara ya. Depo do wage ma boble. Ako docteur Ujo Ujoro la, et que lui allait dans les moules la mali docteur ou. Uyo munke, wage ka wakati, o docteur kelo nebe ou ma yelema, wa ko autopsie u bena ke wa o jabi de bena ke sobie ka bela jeya kuinka. Oh joli si ave chiana ininga e ko chiana fona klina iniwa a chiana la me évident connaît cette transparence parce que l'autopsie dont parle Serge, on peut amener un autre corps parce que le monsieur, nous ne connaissons pas son identité jusqu'à présent. On peut amener un autre corps différent de celui du défunt, faire l'autopsie sur ce corps-là et présenter le résultat de ce corps-là comme étant celui du suspect. Moi, je connais les médecins maliens. Aucun médecin malien ne rentrera pas ça. Écoute-moi, ce n'est pas par rapport au médecin. Oui, c'est le médecin qui fait l'autopsie. Écoute-moi, oui? Ça je dis non. On amène un corps, on demande au médecin de faire l'autopsie. Le médecin ne connaît pas l'identité de la personne. On va dire que c'est Alassane Touré de Nyono, alors que ça doit être Ibrahim Diarra de Kangaba. Qui sait? Il s'agit de cela, parce qu'il n'y a pas de transparence, donc on peut douter aussi du manque de transparence à ce niveau. Qu'on prenne notre corps, faire l'autopsie sur lui, au lieu du vrai suspect. C'est bien possible, communiqué... parce que nous sommes dans une sorte de non-transparence, je n'ose pas dire de banditisme. Le communiqué dit deux choses. Le communiqué dit que l'agresseur du président Assimi Goïta a été amené à deux hôpitaux. Donc je pense que dans les deux hôpitaux, on doit avoir ses traces déjà. Voilà. Les traces, on peut même donner son nom, mais pour l'autopsie, on amène un autre corps, on dit que c'est bien à la ceinture. C'est bien possible quand on veut cacher quelque chose, quand on n'est pas transparent, quand on se reproche des choses, on peut jouer à ce jeu-là. Oui, c'est bien possible. Maître Mariko, hein, pourquoi l'État... Janako, que Serge Beka Sekesekele Mimfo, Ani Danaya Mi, sikasikali in tabulo la docteur Ufanfe ako I, ko amadala ni abese ka ketende ko ajelende ka bekete c'est pas évident ko bese kanani suwere kato ira ko alasane ka surote suwere ko docteur Ube o sulaje iba suru o sara alaka sala o rapport be boka sara te ka surote alasane re re Serge Ko kale te mali docteur don mume son ka sou bla sou nola. Ki tou ka ke. Chana ko ko ale ma fo ko mali docteur ou de ba kede. Ko nga ko docteur ou de te a do alasane re jonyi. Mounou men la ni souede. Ou lebe na do yra ko nde alasane. Docteur me o ta do jon re kounye alasane. O kou be se ka do ta kanate ko e alasane. Docteur ba djege ko e alasane ka sur o re te alasane. O Serge Ko ko alnodou. Kuni communiquer la djé ka fora ko abanale atara gabru touré la aborae atara point g a deserae donc ko korat menani hôpital ba flafé donc docteur do magara la uluba yelendo oni suwara na muntoyé uluba foko mumbora ambara kunde alasane ko toyé chana ko ko belade utarani mugomie ko mugotaro nutara fo docteur wi utara to wara doma o bana bagatori tara jon tara nae Utara jira kundogani ndoa, mwami fale ndo, ubi ya mangene, ulebeta ni ntokondo yeko, di doktoru mako ni ntokondo. Abisa ufanya mine yamfe, antaro ni ejoye, on ne sait pas. Eske muntara pwenji, toko jondiro mae, shana de bora ni ntokoye, progrego ate tokondo, ese ma toko fomo kwe. O muntara,
Gabriel Touré là, Youssouf le droit, Mamadou le droit, Ablaye le droit, Diakbouer le droit, Ablaye le droit, Alassane le droit, c'est moi si tard. Maintenant, tout comme il fera année à trois hôpitaux, l'année trois minutes, est-ce que vous êtes clé ou pas? Chien à côté. Aïe Mariko Nininga, Anga Mariko Fonalam. Que vous réclamez tous la transparence dans cette affaire. Pourquoi? Quel... Allez, maître Mariko. Hein? Qu'est-ce que l'État se reproche? Qu'est-ce que le gouvernement se reproche dans cette affaire? Non, je ne dis pas que le gouvernement se reproche quelque chose pour le moment. Mais, c'est-à-dire que cette affaire, moi, ça me fait 30 ans d'avocature. Si une affaire comme ça est née, le procureur vient s'abréver à la source, donne les infos. Vous avez vu à Kati Diago, là, la découverte là, des corps de Diago, là. Le procureur était sur le lieu. Même si les tests ADN ont été contestés plus tard. Mais c'est ce qui n'a pas été fait dans cette affaire. On devait commencer par là. Pour arrêter toutes les supputations. Maintenant, c'est eux qui créent ça. Donc, à quelle fin? Bon, à quelle fin? Je ne sais pas pour le moment. Attendons de voir. Moi, j'ai confiance aux médecins maliens. J'ai traité avec les médecins maliens. Je sais que si réellement on leur amène un autre corps qui n'est pas celui-là, là, ils vont nous dire que ce n'est pas ces corps. Peut-être d'autres médecins feront feront cette autopsie. Mais les médecins maliens là, que je connais, à Gabriel Touré et au point G, ne vont pas rentrer dans ce jeu. J'en suis sûr parce qu'on a traité beaucoup d'affaires avec eux. Ils nous ont révélé la vraie identité et la vraie cause de la mort de ces personnes-là. Pour rappel, nous avons une affaire au niveau du tribunal de sang où les gendarmes ont appréhendé un jeune homme. Ils l'ont battu. Il est décédé et à la gendarmerie de sang. Nous avons dit que non, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. On ne peut pas enterrer ce corps. Mais on l'a amené ici jusqu'à Bamako. Et ils nous ont dit les vraies causes, parce que les gendarmes disaient que ce n'était pas eux, que c'était d'autres personnes. Et quand on a vu des traces de baïonnettes dans son ventre, ce n'est pas les civils qui détiennent ça. On a vu beaucoup de choses, beaucoup d'autres indices, et les médecins ont retracé tout ça. Voilà pourquoi je dis, j'ai confiance aux médecins maliens, et je sais qu'ils vont nous dire la vérité, et ça va aplanir toutes les supputations et tous les doutes. Mais je ne remets pas. Maître Mariko ko koy siga daminera kiwaruya di balia de la cabinet damne ko nanya hakli jigi sumunu yera jago berurujo ni ayauka ke wati kubeta sula bodomina ado ko procureur tumbe sula borola ko aleka jetela depuis ko ingera misiri bala domi procureur tunganga ye keneka ka tunganga ye Omake. Konote bi, ale badon, autopsi minfora, ale dalembe mali, docteur oula. Nous nani souare, ou mu banabagatori soye, koyoye, ou l'oubolote mga osula. Ko misalila, tribunal sans konon. Kok sans gendarmerie domine, ka bougo, face à roubolo. Olu bola kalama o tara gendarmerie ko kuluma faka ko mo wara de afaka kanga uluye boli nodo ye akonola ulu ko ko uye trasi mi en fien mi akonola civilité se kaninke ne teni tuku ka barae ulu ma jenae uya nyini kanani suye bomako gabe tule ni point je uye sulaje afara chukomi afara wati mina ko be expliquer kata soro gendarmundo A quoi donc point G, docteur ou? Gauri tire docteur ou? Allez bar don nous nani souhaiter ou t'es son ama. Allez ouvre. Oh, chien a clairé que comment tu connais engagé Est-ce qu'on reconnaîtra la vérité dans cette affaire? C'est aussi une autre question puisque le principal suspect est décédé. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la manifestation pour parler comme les juristes, la manifestation de la vérité? Maintenant qu'il est mort, tout est possible. Si on veut chercher des poux dans la tête d'un opposant ou de quelqu'un supposé être tel, comme l'a dit Maître Mariko, on va réunir des indices pour dire avant de mourir, le suspect a dit ceci, a dit cela. Donc sur la base des indices
que le suspect a laissé telle et telle autre personne sont ses complices. Ils vont tenter de créer des problèmes à ces personnes-là. Est-ce que vous voyez? Et même dans cette hypothèse-là, les gens vont douter des éléments que le suspect aurait laissés avant de mourir. Le doute est là. Le doute est là. Il est difficile de le dissiper sans... Est-ce que Mouroutse Kafoko est Mouroutigi Nyere Bane? Nous le disons que Kébara Kouni Kouare Bane. Chana Woko Imse Koufoko Nga. Qui signa Efona? Ou est-ce que vous profitez de Kouyongono Kafoko Yanakasa? Et aïe Nifo aïe Nifo. Nous assurons Abu Kono et ka politicien do Simbo et Barala. Walema Dobe ou Ninga ou Kahere do Fanfe. Ou pas fait que c'est moins ou tard ou tout beau et tout gamin à coup profiter d'une fée ou y a ni check à sa ya foko à ni 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 blala ou kambe bali mounadoro ou beta parti politique de nyamou tchaka sokana ou ni alasani mana ou de waridama ou de adonta kangan sikina be konga hali nou yoke et tchete balola maïra na wo tchado ko sitem ro sigabo moula ou sigate ban makan labana. Maître Touré et Marika, chose Mariko et Moufo, dernier mot, aurait de Bekmare Tobe clôturé. Voilà, on écoute Maître Mariko. Mariko, sur la manifestation de la vérité, est-ce que cette disparition, ce décès de. J'espère qu'on ne connaît pas, j'en ai donné un nom, mais jusque-là, l'opinion publique ne connaît pas véritablement l'identité de ce suspect-là. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur la manifestation de la vérité? Bon, au début, ça peut avoir un impact sur la manifestation de la vérité. Mais je sais que, de fil en aiguille, on saura ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Et pour preuve, je peux encore citer les cas des Bérets Rouges. Et quand ces personnes-là, ces militaires avaient disparu, étaient portés disparus, mais on a pu, très doucement, lentement, savoir qui et qui était... Dans ces comités d'exécution, dans ces pélotons d'exécution. Et quand on a su qu'il y avait un tel, là, les enquêtes ont été dirigées sur ceux-là et ils nous ont révélé. Je sais que tôt ou tard, quelqu'un sortira de ce lot-là pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Mais nous pensons et nous souhaitons que ce qu'on est en train de nous dire soit la vérité. Sinon, on est sur une poudrière. Est-ce que vous allez faire déjà au niveau de l'AMDH, déjà, à ce stade, voilà, vous avez, voilà, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Nous aussi, on enquête, okay. À notre façon. On a des témoins, et nous, on a une association qu'on appelle, il y a toutes sortes de professions là-dedans, des enseignants, des affaires, comment on appelle, des opérateurs économiques, des juristes, des magistrats, des policiers. Donc à partir de ce moment, vous allez commencer à enquêter. Je sais que... Mais Maître Mariko, le gouvernement dit dans son communiqué dit une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son enquête. Et le gouvernement qui dit aussi que l'enquête continue. Bon, avec le décès du principal suspect, l'enquête continue en droit, ça. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication un peu juridique par rapport à la question? C'est possible que l'enquête puisse continuer si déjà il y avait des indices donnés par l'auteur principal. Il faut aller maintenant exploiter ces indices parce qu'en droit, on ne peut pas dire que l'infraction est totalement éteinte si l'auteur avait des complices ou bien s'il y avait des co-auteurs. Même si l'auteur principal décède, les complices et les co-auteurs peuvent répondre de leurs actes si c'est établi à la suite d'une information. Donc c'est ce qui fait, c'est ce qui les fait dire que effectivement l'enquête continue parce que ça ne peut pas s'arrêter là si... Il y avait d'autres acteurs et d'autres complices derrière, comment on appelle cet agresseur. C'est ça le problème. Mais le problème qui va se poser encore, est-ce que réellement ces informations-là viennent de celui-là qui vient de partir? C'est ça le grand point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas du colmatage? Est-ce qu'on n'a pas voulu mettre des indices ensemble pour aller charger quelqu'un? C'est ça le problème. Donc moi, j'ai dit toujours que
On a manqué de transparence. Parce que dans une affaire comme ça, il faut être transparent du début jusqu'à la fin. Ce que Serge a dit, ce que Takiou a dit, c'était ça, de donner des préalables aux gens. Voilà quelqu'un qui est malade, voilà quelqu'un qui souffre de ça, il s'appelle un tel, il loge dans tel ou tel quartier. Essayez de voir son entourage, et comment ce monsieur-là résonne, il est dans quel engrenage. Donc si on avait donné tout ça tout de suite, ça allait dissiper, comment on appelle, les suggestions et beaucoup de jérémiades autour de cette affaire. Donc moi j'ai dit tout simplement qu'on a manqué de transparence et on a oublié qu'on avait un devoir de redevabilité. Ni tout n'y a derrière moi. Maître Mariko Ako, kale konimbardo a djana o djana. Ni mkoui a kebara dobe boka kibaroya fordoye. A kebara dobe boka kibaroya fordoye. Ko biruju ta kera adamne ni tuye mwo nyinga mwo ta chenro foka jenwuli. Ko nga kebaga wu. Kelen kelen u bora ka fo krefo mwo ye foka na kuyin ka chenro bi. Ko kamale minera atara yoromi ma munu ya mine, munu ya nyinga. Femi mforaye, aye mfoye, mun kerala, aye mkeye, afatura chokomi. Ko dondo a kebaga dobe boka fordoye. Aya fo sutrama kono wo akara taxi kono wo akara maki kono wo akara roko ku kibro kono be bodono yala re ka masaya ko wajamana do mena chiya do ala kono te chiya na mufo ko fona be se ka ke o fona be se ka ke ka boka fo ko ya ni kama le ngasa aya fo kani ni me barala ni ne ni fo ni ne ablala kasoro otigi kebe oko ko worela nga sababu tumasoro ka keke ukan o kuno kera antena bo siga kuno wa antena bo gela kuno ko noten ninki roa madika ko jeya abi ko man sigile me tasuma kala de kan alors ni ne tunye special ya kambi ka bo emission kuno alibi ka duwa udonge andoko ke nan denge cham alaka da rosuma ya andonu fembe nu mangene fembe ni ubanara mu wolon vlanu nu ambalma muso alaka nugoya kube alaku sigwirema jamian ko kitim na alaka nugoya abangi bogaw uye fambunya lafia bugu che ana muso lafia bugu muso koroba ache koroba ubefu alaka sigija alaka kisanyo gorema polisu alaka nu kunyona am fawdo am deundo am korodo am muso do am bawdo Ulube on de kama, on fana beya ulu de kama, ante se katanyo onko. Mwo kelenga kewale akanake sawwye kato, anga filibekan. Ulu fana, uku jilaja, tabulo jugo mimbe utula, ure fula kake ula gushi bagaye. Ube kenema mwo dana to sisi uni jamana donche. Alaka jamana basigi, alaka jamana basigi. Alaka Basigi, one love à vous tous. Sibirido, on est à Kangaba et mercredi prochain, spécial Shogel face au CNT.